décision, un match nul. Et c'est parti entre Grégory Baben et Bogdan Kotalianov. Et ça commence très fort en effet avec cet échange de coups. Oh, attention, crochet, cette gauche. Très beau crochet gauche de Grégory Baben qui l'emmène au sol. Un bel enchaînement, point et lutte. Il prend une position favorable, il passe la garde directement. Et voyez, attention, son sol est très intéressant. Attention au sol, il a déjà passé la montée et la guillotine. Il a les mains chercher la autour tête du cou. Attention. C'est dangereux pour l'Ukrainien. À cet étranglement. Et ça repart sur une guillotine, une réattaque de guillotine. Donc attention. Et c'est terminé. Voilà, il n'aura fallu que 41 secondes à Grégory Baben. On vous le disait, attention à son sol. On ne vous a pas menti. Voilà la 12e soumission de Grégory Baben et une 22e victoire magnifique pour lui, le Français de 37 ans. Trois ans à la Team Match et encore une victoire par soumission. Bah écoute, tout d'abord, bonsoir à tous et merci. Merci d'être venus si nombreux. J'ai pas mal de remerciements à faire. Je vais commencer par mon équipe qui m'a bien encadré. Merci Hatch, merci Arnaud, merci Boris, merci tous les autres. Merci à mes partenaires d'entraînement pour cette préparation qui était vraiment aux petits oignons parce que c'était dur de sortir de l'après-confinement. J'étais monté à peut-être 96 kilos. Là, j'ai réussi à redescendre grâce à ma volonté et celle de mon équipe. En deuxième lieu, j'aimerais remercier Madame la Ministre, Roxana Maratignanou, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous leviez tous et qu'on l'applaudisse. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, vous avez apprécié ou pas? On va l'applaudir.